Bonjour, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour cette journée de Liga BBVA. Franck Sauzet vient de nous rejoindre. Alors que dire de ce match qui va opposer le FC Barcelone au Real Madrid? Eh bien oui, ils sont tout simplement les deux plus grands clubs espagnols, mais aussi deux très grandes formations européennes. Là, on le sent, il y a de l'électricité dans l'air. Qui a une double particularité, Franck. Oui, la première, c'est la fameuse chapelle dans le couloir qui mène à la pelouse. Les joueurs peuvent se recueillir. La deuxième particularité, depuis janvier 2012, c'est un stade entièrement non-fumeur, suite à un vote organisé par les socios. Un bon abdégation sur cette interception. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Et Xabi Alonso qui harcèle le porteur du ballon. Oh, le but peut-être. Oh, le but. Oh, il était tout seul et il a manqué le dernier geste. Oui, peut-être un petit manque de lucidité sur cette action. Busquets s'approche du but. Ballon compliqué. Daniel Alves. Daniel Alves. Andrés Iniesta. Barrière bas. Oh, il n'a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. Angel Di Maria. Joli passe clé de pour Cristiano Ronaldo. Attention, il va tout seul. Peut-être à la bout. Ah, ce ballon commençait à trottronner, il fallait intervenir. La défense qui récupère. C'est bien. Oh, il va avoir ce tacle, mais ça continue à jouer. Joli passe clé pour Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo maintenant. Il est magnifique, il a bien fermé le couloir. Real Madrid, qui a récemment fait confiance à un homme, José Mourinho. Les supporters madrilènes traditionnels lui ont parfois reproché son style trop volcanique, qui ne connaît pas selon lui avec l'esprit du club. C'est le sans blague. Iniesta, Neymar. Ouais, elle est bien partie cette frappe. Enfin, qu'est-ce qu'a péché d'avoir cette frappe? Ouais, l'équilibre, on y revient toujours. Et voilà un joueur à qui il ne faut pas trop laisser d'espace. Et le joueur du Real qui commet une faute. Oui, le joueur qui commet bien une faute. Hein. J'espère pour lui qu'il a voulu jouer le ballon. En tout cas, un tacle dangereux quand même. Mascherano. L'entraîneur qui a demandé à Mascherano de jouer les poissons au milieu du terrain. Daniel Alves. Son petit pied demande le ballon. Xavi. Avec Messi. L'occasion peut-être avec cette frappe. Et c'est de fait. Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, si ce n'est le meilleur. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Et ça fait
Benzema. Il y aura danger peut-être sur cette montée des joueurs du Real. Ballon pour Cristiano Ronaldo. Xabi Alonso. Compliqué à reprendre finalement. C'est un coup tiré sur l'homme. Et au jeu, bien sûr. Sergio Ramos. Le duo entre le porteur du ballon et Xabi Alonso. Mi-temps, c'est la mi-temps ici. Léger avantage donc au moment de gagner le vestiaire 1-0. Première période assez serrée donc, sauf le début du score. Ouais, je suis en train de regarder les statistiques là, j'avoue qu'elles sont assez équilibrées. Hein. Disons qu'ils ont su placer un coup d'accélérateur quand il le fallait. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la seconde période et c'est le Real Madrid qui a le ballon. Neymar. Et trouve Neymar. Une bonne application sur cette interception. Voilà ce que j'appelle une bonne couverture défensive. Marcelo. Benzema. Oh, la lutte est en train de reprendre ce ballon. Xabi Alonso. Prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de sang neuf. Un tacle très propre, une belle interception. C'est bien. Marcelo. C'est bien. Sergio Ramos. Qui est bien. Neymar. Andrés Iniesta. De Busquets. Oui, il est bien pris dans ce couloir. En 2. Bonne récupération au milieu de terrain. Un bon tacle, mais c'est pas fini. Il faut contrer un joueur neuf. On va essayer d'égaliser, il reste encore du temps. Karim Benzema. Un ballon bien capté, il ne fallait pas le relâcher. Et le ballon retourne dans les pieds du gardien. Le ballon de sortie. Possession de balle assez équilibrée, on voit. Mais c'est peut-être la clé du match d'ailleurs. Regarde Machado.
donne à Messi. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. On va fermer la porte du couloir. Xavi. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Marseille de la récupération. Xavi. Andrés Iniesta. Et le numéro 2. Iniesta qui va au contact. Oh, ça va rentrer ! Il n'avait plus que le gardien à battre, quel dommage ! Il faut dire que le gardien lui a bien fermé l'angle, il ne s'est pas trop livré. L'entraîneur ose, hein, ça c'est plutôt bon signe pour la fin de match. Ce ballon, oh, qu'il est important. Et le public ne s'y trompe pas d'ailleurs, il pousse dans ses dernières minutes, il peut y avoir le feu. Non, ça ne va pas plus loin. Xavi. Voilà, c'est fini. Tout le monde est rentré au vestiaire.